Salut les Capricornes, bienvenue sur 5 Star Tarot, Sun, Moon, Rising et Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Donc voilà, ce soir j'ai Max et Matt à la maison et puis on va se faire des spaghettis là. Donc bon, si vous avez un petit peu de bruit sur la vidéo et tout ça, excusez-moi. Mais bon voilà, tout le monde est cool et puis je vais essayer de parler fort. Voilà. Et puis si vous voyez des ondes, des trucs bizarres, les Caps. Donc merci pour votre générosité, tous ceux qui m'ont envoyé des donations. Vous êtes tous extrêmement généreux avec moi et je vous remercie mes amis, merci à vous, ça me fait extrêmement plaisir. On a Pluton en Verseau, les Caps le 19, ok? Donc définitivement Pluton qui va passer en Verseau et qui ne sera plus jamais en Capricorne. Donc il quitte votre signe ici et vous pouvez faire du bruit, ne hein, vous dérangez pas pour moi. Et déjà ils sont cool parce que je leur ai dit que j'allais parler un peu fort et tout le monde dit il n'y a pas de problème. Donc c'est Pluton qui quitte votre signe définitivement les Caps. Et on va voir, c'est parti, Sun, Moon, Rising and Venus cutting the deck for Caps. Let's go si vous voulez. Booking guidance privée avec moi, c'est 5startarot.com. Et si jamais vous voulez bénéficier de mes analyses techniques sur les marchés financiers ainsi que notre accompagnement émotionnel et psychologique, le groupe 5Star, c'est 5startarot.com. D'accord? Toutes les consultations se font sur Instagram en visio. Hein, et mon pseudo Instagram, c'est 5startarot. Donc venez me voir directement sur Instagram si vous voulez, ok? Et voilà. Allez, c'est parti. Cutting the deck once more. Let's go les Caps, j'espère que vous allez bien, on va le savoir tout de suite et puis je vais essayer de faire un peu mieux que ça, de savoir que, enfin, si vous allez bien ou pas. Mais j'ai vu le titre d'une guidance en venant ici, c'était votre autre revient lundi. Donc quand vous voyez un titre comme ça, ça peut être racolore, c'est peut-être une blague, mais je peux vous dire que soit je suis très très mauvais, soit vous avez affaire à un charlatan tout simplement. Hein, donc, qui n'a rien compris aux énergies, qui ne comprend pas c'est quoi le tarot, qui ne sait pas l'utiliser, qui fait n'importe quoi. Donc pareil, si vous allez dépenser des fortunes dans des voyants, des pseudo-médiums à la noix de père en fils, faites gaffe avec ça. Hein. Je vous ai dit, le métier est composé de 99% de charlatans, faites gaffe avec ça. Hein. Allez les Caps, Sun, Moon, Rising and Venus once more. Donc encore une fois, le plus important, c'est Pluton en Verseau. Hein. C'est Pluton en Verseau. Le 19, je sais, le 19. Mais peu importe, on est déjà dans les énergies ici et il y a un grand changement ici. Nous avions ici le 9 de Pentacle et je vais le prendre en compte parce qu'il n'était pas là par hasard. Il n'était pas là par hasard. Et ce que ça vient me dire ici, c'est que... Attendez, je vais peaufiner l'idée ici. J'ai déjà un fil conducteur ici, les Caps, mais... Et puis vous êtes aussi le chakra racine de ce cycle cosmique ici, donc ça risque d'être vachement intéressant. Mais j'ai déjà un fil conducteur de quelque chose ici. Mais en gros, ce qui va être difficile pour vous, c'est de laisser tomber le passé, c'est-à-dire que vous avez changé. Les Capricornes, ça pourrait être le titre de votre reading, mais vous avez changé. Vous n'êtes absolument plus la même personne. Vous avez grandi, vous avez pris de la maturité. Et vos désirs d'aujourd'hui, vos désirs de demain ne sont plus ceux d'hier. C'est-à-dire que pourquoi vouloir se battre, continuer à se battre, continuer à s'entêter pour réaliser quelque chose où c'est fini, dead, done, over with. C'est-à-dire que le passé est définitivement mort et enterré. Alors, Pluton est repassé en Capricorne pour la dernière fois. Donc, on était dans une phase transitoire, mais là, c'est terminé. Et le plus difficile pour vous, ce sera de ne pas rester dans le passé. Encore une fois, je pense que vous êtes capable de voir clairement ce qui se passe autour de vous. Les personnes qui sont dans des conditionnements, les religions, partis politiques, statut social, culture, nationalisme et toutes ces choses. Je vote à gauche, je vote à droite, métro, boulot, dodo. Et vous ne voulez, je dirais, absolument rien à faire avec ces gens-là en fait. Vous ne voulez absolument rien avoir à faire avec ces gens-là. Alors je sais, Jay, c'est mon meilleur ami, c'est ma famille, c'est mon père, ma mère, ma sœur et tout ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez une vision supérieure, que vous avez quelque chose à l'intérieur de vous ici, que vous êtes en train de vous faire confiance, ça peut vouloir me dire aussi qu'il y a peut-être des personnes ici qui vont, dans votre entourage, qui vont se plaindre constamment, qui vont se victimiser. Ah, j'arrive pas parce que dans mon enfance, il m'est arrivé ça et j'ai des problèmes d'argent. Et c'est vrai, quand on a des problèmes d'argent, si on veut monter une multinationale et qu'on n'a pas les sous sur son compte en banque, c'est très compliqué. Je ne dis pas que ça n'existe pas, d'accord, les problèmes d'argent. Bien sûr que si, ça existe. Mais des personnes qui vont se trouver des excuses et qui vont vous dire « ouais, j'y arrive pas parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça », qui vont être, j'allais dire, dans les basses vibrations en fait.
Et c'est très important pour vous de vous couper de ces personnes, en fait, qui tout simplement ne veulent pas apprendre, à qui on ne peut rien dire, qui sont, et leur laisser avoir raison aussi, parce que c'est vraiment un nouveau monde ici, ok? Vous savez, les oui mais ou ceux qui veulent toujours avoir le dernier mot, qui vont toujours vouloir imposer leur science et tout ça, c'est pas une question de philosophie, une question d'être... C'est quelque chose que vous allez ressentir à l'intérieur de vous-même. C'est vraiment, j'allais dire, une vibration. Et pas tout le monde n'aura accès à ce nouveau monde ici. Tout le monde. Mais certains seront juste des automates dans ce nouveau monde ici, d'accord? Nous avons le 4 de Pentacle ici à l'envers. C'est-à-dire que, encore une fois, j'ai l'impression que vous avez beaucoup donné, que vous avez beaucoup implémenté, que vous avez fait énormément de choses, mais sans, j'allais dire, obtenir grand-chose en retour finalement, mes amis, ici, ok? Et je trouve ça plutôt dommage. Et ça vient me dire qu'il y a potentiellement un manque d'équilibre et aussi peut-être que vous avez énormément travaillé pour obtenir des résultats et que les résultats escomptés ne sont pas là et que vous n'avez pas réussi. Ça peut être aussi dans une entreprise, ça peut être dans une histoire d'amour, ça peut être dans peu importe quelque chose que vous vouliez faire. Vous n'avez pas atteint vos objectifs, mais on vous dit c'est ok les Capricornes. Peut-être que c'était censé être comme ça. Des fois, la grande leçon, elle n'est pas dans les choses que l'on arrive à accomplir, elle est aussi dans l'échec. Ok, nous avons ici The Place of Cups in Reverse, c'est-à-dire qu'en ce moment, vous êtes dans une vibration, dans une résonance, dans une fréquence qui ne vous, je veux dire, qui ne vous convient pas émotionnellement et psychologiquement, mais surtout émotionnellement, c'est-à-dire que vous n'êtes pas heureux ici. Et nous avons la justice ici, c'est-à-dire que quelque part, on vient vous dire ici, c'est la loi du karma, ce n'est pas à vous de vous occuper de quelqu'un ou par exemple qui vous a fait souffrir ou qui vous a trahi ou peu importe, la justice, le karma s'en chargera, la justice divine, la vie ici. Ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que ça me fait penser à l'énergie des lovers, donc ça me parle d'un choix aussi, mais c'est aussi une arcane majeure avec laquelle vous ne pouvez pas vous soustraire, c'est-à-dire que la justice, c'est la racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher, se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Et j'ai l'impression que ce sera très difficile pour vous les Capricornes, ce sera extrêmement difficile. Et vous n'êtes pas venu ici pour entendre des personnes se geindre, des personnes plaindre ou se trouver des excuses. Ou non, c'est vraiment une quête de liberté ici. Exactement, le chariot, c'est Bénur, c'est celui qui va gagner la course, qui va obtenir la victoire, qui lâche les rênes du sphinx et qui quitte la ville, la pisse, le paraître, la crasse pour aller vers la nature, l'ordre, le juste, le bon, le bien. Ça peut vouloir me parler aussi de voyages de longue distance, de ce que vraiment à l'intérieur de vous, encore une fois, il vous reste 30, 40, 50 ans à vivre, ça va passer comme ça. Donc si vous avez des rêves à réaliser, c'est maintenant. Nous avons la Queen of Coins in Reverse, c'est-à-dire que ce n'est pas le moment de penser, ce n'est pas le moment de cogiter, c'est le moment d'agir ici. C'est-à-dire que le talent sans le travail n'est rien. Donc on va vous demander de passer à l'action. Peut-être que vous avez été marié, peut-être que vous avez eu des enfants, peut-être que vous avez eu un emploi, peut-être que vous avez eu tout ça ici. Mais vous savez à l'intérieur de vous que ce n'est pas ça qui vous convient, ce n'est pas ça qui vous fait vibrer, ce n'est pas ça qui vous fait... On va rester poli ici, d'accord? Que ce soit homme ou femme, mais c'est pas ça qui vous donne la trique, quoi, d'accord? Et on a le Six of Wands ici qui me parle de victoire, qui me parle de noblesse, qui me parle d'aventure et de ne pas renier son enfant intérieur ici. Encore une fois, l'ancien monde est mort et enterré, mes amis, ok? Je veux dire, les débats interminaux entre les politiques, entre la terre creuse, la terre plate, un univers vibratoire, les gourous, les machins, les trucs qui ne servent qu'à diviser les gens. Votre seule vérité, celle qui compte, c'est celle qui est à l'intérieur. Et si votre vérité intérieure fait que vous tirez une tronche de 3 mètres, que vous êtes dans le métro-boulot, que vous êtes pauvre, malheureux, crasseux, poisseux, que vous n'avez pas de petits copains, pas de petites copines, pas d'argent, vous ne pouvez pas partir en vacances et que tout le monde vous tabasse dans la rue, c'est votre problème. Mais si votre vérité à l'intérieur, elle vous amène à être libre, à être heureux, à vivre votre meilleure vie, à bosser, à vivre de votre passion, à rencontrer des gens formidables, vous n'avez absolument rien à dire à personne. Et ceux qui veulent rester des cafards resteront des cafards, ok? Donc on a ici... Ceux qui veulent rester dans les maladies, qui veulent rester dans leur situation, qui veulent rester isolés, qui veulent rester, peu importe, dans leur foutue croyance, dans machin, peu importe, laissez-les. Ils arriveront eux aussi à un breakdown, à un moment où ils seront obligés peut-être de reconsidérer les choses. Nous avons ici, c'est exactement ça, c'est-à-dire de ne pas rester cristallisé dans le passé. Et le Six of Cups, c'est aussi une énergie du chakra du cœur, c'est le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel et qui vient me dire ici que... Ce n'est pas l'histoire d'un soir ou quelque chose de futile que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est une véritable passion. Vous ne voulez pas vous contenter des fruits les plus bas de l'arbre, mais vous voulez vraiment vivre cette grande aventure.
On a le Ten of Coins in Reverse qui vient me dire que ce sont des moments difficiles. Peut-être que vous n'avez pas réussi encore à obtenir ce que vous vouliez obtenir. C'est-à-dire la transmission, c'est-à-dire peut-être l'éducation, transmettre à, je vais dire, aux futures générations, fonder, je veux dire, réussir votre plus grand rêve ici. Et ça peut être frustrant, mais on est en train de vous dire ici qu'il y a une énorme réorientation ici. Il y a une énorme réorientation et le plus difficile pour vous, c'est de vouloir garder, j'allais dire, encore un peu d'eau dans une coupe qui est trop pleine, une coupe qui a stagné avec des eaux polluées, avec des eaux qui sont devenues toxiques. Donc ce qu'on vous dit ici, le plus important ici, ce qu'on vous dit ici, 10-10 le moment où je dis ça, c'est la Wheel of Fortune, mais la Wheel of Fortune, c'est un changement, mais c'est un changement qui prend du temps. Je ne vous dis pas que les choses arriveront vite. Peut-être que les choses vont encore prendre 6 mois, 1 an. C'est un nouveau cycle. Regardez, Mars est en Lion. Eh ben, il ne va pas repasser en Cancer avant un bon petit bout de temps, avant quelques mois ici. Et toutes les choses prennent du temps ici. Okay? Donc, on vous demande ici, de celui qui ne voit pas loin verra les ennuis de près. On vous demande d'avoir une vision à long terme, mais de vous y mettre maintenant. Wouh! Allez, c'est parti, les Capricornes. Nous avons The World, le monde, la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles. Donc, c'est-à-dire que vous savez que vous voulez commencer une nouvelle vie, que vous avez des bonnes décisions à prendre, que vous voulez vous éloigner, j'allais dire, de la sécurité au profit de la liberté, parce que vous méritez la liberté, vous méritez d'être heureux, vous méritez de vivre votre meilleure vie et que la vie, ça passe comme ça. Vous le méritez ça, vous le méritez de danser, de chanter, d'être heureux, d'être dans la joie, d'être dans des hautes vibrations tous les jours. Et vous voulez voir l'émergence d'un nouveau monde, ça tombe bien parce qu'on va rentrer dans l'ère du Verseau, la connaissance et tout ça. Il y aura aussi le bot, les transhumanismes, ceux qui vont s'implanter des puces dans le cerveau et tout ça, qui vont aller chercher des réponses pour des dieux sauveurs, des plus grands génies qu'eux, des machins qui vont penser que Trump va régler tous les problèmes, qui pensent que Elon Musk c'est un génie. C'est pas un génie ce mec là, hein. Je vous dis pas que, mais si c'est un génie, pas autant que n'importe lequel d'entre vous. C'est pas Hollywood, Bollywood, les stars de cette planète, c'est vous, ok. Certains disent ouais, Elon Musk machin, il a des fonds obscurs, il a racheté Tesla, ensuite SpaceX machin, il a viré tous les mecs, tous les et puis il a acheté son truc X Twitter pour tous les tabloïds pour dire que c'était lui qui était le patron, qui était Tony Stark, machin, le plus intelligent, qui faisait tout ça à la fois. Et puis, il y a tous les mecs qui sont sur Internet et puis qui l'encensent comme un dieu rédempteur, machin, qui fait 36 000 choses à la fois et tout ça. Mais la seule chose que c'est tout ça, c'est un jeu de cartes, télévision, radio, fluor. Je veux dire, avant, c'était le petit Jésus, la Bible et puis les religions, les machins, les trucs. OK, le point au milieu du front et tout ça, machin. Mais maintenant c'est quoi? C'est les robots. Je veux dire, les robots vont arriver. L'année prochaine, il y aura les robots à 40 000 $ pièce. Ils vont être là. Vous leur mettez un godemiché, ils peuvent vous remplacer avec votre femme. Ils peuvent amener vos enfants à l'école. Ils peuvent conduire des Tesla si vous avez fait le crédit. Ils peuvent faire votre jardin. Ils pourront tout faire, les robots. Ils arrivent, hein. C'est l'avènement des machines. Je veux dire, Matrix, c'est pas une fiction, hein. Je veux dire, un enfant avant 7 ans, c'est là où le conditionne, on vient le lobotomiser, on vient l'endoctriner et tout ça. Je veux dire, si vous apprenez à vos enfants la Vierge Sainte Marie et ceci et cela, je veux dire, où est-ce que vous voulez qu'il arrive dans la vie, à part un bon petit soldat pour aller faire tuer et se faire tuer, d'accord? Je veux dire, et ça c'est l'ancien monde, il n'y a plus rien de l'ancien monde qui est valable aujourd'hui. Je veux dire, toute cette société ici, ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être ajusté à une société profondément malade. Elle est là pourquoi? Pour l'avènement des machines, pour devenir des batteries. Regardez le monde d'aujourd'hui, on coupe les arbres, on défonce les animaux, on devient complètement débile, on passe des dessins animés pédopornographiques à nos enfants. Disney fait ça à la télé, je veux dire, tout le monde envoie ses enfants à l'école, on vient nous mettre des programmes dans la tête et on devient des lobotomisés. Vous ne voulez pas de ce monde-là parce que vous êtes intelligent, vous avez compris que Elon Musk, Trump, que ce n'est pas des sauveurs, que c'est des trans qui gouvernent le pays, que machin. Vous avez compris ça, ok? Peut-être pas. Certains d'entre vous, vous êtes encore très heureux de payer les factures, métro, boulot, dodo, d'être dans une religion, d'aller dire amen tous les week-ends. Ah, merci, j'ai été super intelligent, machin, et moi, je... Non, ok, peu importe, ok? Ou alors être sur les cryptos, ça monte, ça descend, je vais acheter un yacht et tout, machin, avec ma grosse gueule sur YouTube, et j'ai gagné 100 000, 30 000 € dans ma pile. Ok, d'accord, ok? Bon, bref. J'ai vu qu'il y en avait un qui s'était vexé, là, qui avait fait une petite phrase dans ses pubs, là, il avait dit un petit truc en creux. Mais c'est bien, au moins, peut-être ça va le faire réfléchir ou pas. Mais peu importe, on a le monde ici, ok? Donc, tout ça pour vous dire ici, mes amis, que j'ai remarqué qu'il y en avait beaucoup qui me répondaient, n'empêche. Hein. Ouais, c'est une sorte de... Mais bon, il faut laisser les autres avoir raison, comme je vous ai dit ici. Le plus important, c'est ceux qui écoutent, d'accord? Donc, on a... et si c'est une personne, ça me va très bien, ok? Au moins, je remplis ma mission divine, mais on a le monde ici, les caps, ok? C'est la fin de tous les anciens cycles pour le nouveau cycle. Et le leg ici, ça représente quoi? Ben, ça représente le Verseau. Non, ça représente le Scorpion. Le Verseau, il est là, il est ici, d'accord? Donc, c'est l'ère de la connaissance ici, c'est l'ère de la connaissance, c'est un nouveau monde, c'est l'avènement d'un nouveau monde.
L'ancien monde est mort et enterré. Donc, ça va continuer à la télévision, radio, fluor dans la rue, ils veulent tous aller expliquer, machin, mettre des masques et tout. Super, ok? Et ça va, voilà, froisser certains parce qu'on préfère qu'ils quittent la tierce s'il arrive sur un Jean Céramique Tarot et tout. Pas de problème, allez-y, désabonnez-vous, ça me fera plus d'espace. Mais tout ça pour vous dire ici, mes amis, que. Parce que je suis pas là, je fais pas de guidance pour les. Ok? Donc, tout ça pour vous dire ici, les CAPS, d'accord? Que, pareil, pour ceux qui sont là, CAPS, et qui regardent, ne regardez pas que CAPS, regardez toutes les guidances, soyez pas des abrutis, ok? Donc, il y a quelqu'un qui m'a dit aujourd'hui sur un commentaire, t'as oublié les Verseaux. Je les virais, d'accord? Je veux dire, au bout d'un moment, tu m'as pris pour qui, là, ok? Donc, peu importe, les CAPS. Donc, on a ici le monde, ici, mes amis, d'accord? Peut-être que je répète certaines choses, mais voilà, vous avez ma chaîne, un système, nature de la vie, de la mort, de l'amour. Pas mal de choses, mes amis, ok? Peu importe. Donc, vous avez mon groupe Telegram, si vous voulez une guidance privée avec moi, venez, machin, bref. Donc, le monde, la fin de tous les anciens. Et le monde, les amis, on ne peut pas revenir en arrière, les CAPS. On ne peut pas revenir en arrière, d'accord? C'est-à-dire que si cette relation n'a pas marché, si ça n'a pas marché avec ce petit copain, cette petite amie, cette entreprise avec machin, peu importe, c'est définitivement mort et enterré. Vous avez compris ou pas? Très bien. Donc, je vais passer dans la maison des taureaux ici. Nous avons le magicien. C'est-à-dire que vous avez absolument toutes les connaissances et tous les outils pour pouvoir changer le monde et changer votre vie ici. Et c'est votre destinée qui vous appelle, ok? Donc encore une fois, Pluton quitte votre signe définitivement jusqu'à la fin de votre vie ici, ok? C'est très important, ce sont des arcanes majeures. Vous allez trouver un équilibre et vous n'en avez pas en ce moment. Donc vous allez devoir être fort, vous allez devoir bosser. Si on vous propose des trucs qui parlent à votre cœur, qui parlent à vos envies, si on vous demande d'y aller ici, ok? Dans la maison des gems, et c'est exactement ça, c'est le même message qui se répète. Vous voyez, je suis très connecté, mais tout est là. C'est-à-dire que l'ancien monde est mort. Monde magicien, deux de bâton. L'ancien monde est mort ici. Vous avez le monde dans votre main, suivez votre passion, la passion qui est création. Et ça fait très très mal. Certes, ça fait très très mal, les CAPS, ok? Parce que vous pouvez vous retrouver seul avec votre enfant intérieur et tout ça. Peut-être que vous vous retrouvez, je veux dire, peut-être que vous pensez que vous êtes seul au monde. Peut-être que eux, ils doivent quitter un monde ici pour se diriger vers un autre ici et qu'ils doivent partir la tête basse. Mais c'est eux qui ont raison. C'est eux qui ont raison avec le guide ici, ok? C'est un moment très difficile que vous êtes en train de vivre, les CAPS. C'est-à-dire que c'est une transition énergétique. C'est une transition énergétique. L'ancien monde est mort, mes amis. Avant, c'était les trans, c'était les machins qui gouvernaient le monde. Maintenant, ça va être les misogynes, les machins. Et ils veulent que tout le monde se foute sur la gueule. OK? Mettre tout le monde. Parce qu'avant, c'était la consommation, l'ère des Capricornes. Maintenant, on veut vous mettre des puces dans le cerveau, vous mettre dans la métaverse et vous raconter tout et n'importe quoi avec l'intelligence artificielle. OK? Vous allez penser qu'Elon Musk est un génie, que Trump est un sauveur, que machin, que ceci, que cela. Et vous serez toujours lobotomisé par la télévision, la radio, trouver un dieu rédempteur dans les religions et vous n'avancerez pas, ok? Vous serez toujours en train de dire oui mais, d'accord? Donc, encore une fois les CAPS, je ne suis pas là pour vous faire plaisir, vous avez Engeance Céramique Tarot pour ça. Là, ce que je suis en train de vous dire ici, c'est je fais mon taf, encore une fois, d'accord? 1 sur 1 million, exactement, le Hierophant 5 Star Tarot, dans votre cœur, le choix, encore une fois, arcane majeure. Vous avez un choix à faire ici et ce choix sera difficile. Parce que vous êtes encore une fois en train de vous couper du passé. Le plus dur pour vous, ce sera de ne pas garder le passé avec vous, de garder de l'eau sale dans la coupe. Pour pouvoir obtenir une nouvelle chose, il faut laisser tomber le passé. C'est très important. C'est très important ici, d'accord? Et de ne pas avoir peur avec la lune, encore une arcane majeure. Non, c'est le 8 de coupe. Et le 8 de coupe, c'est une énergie des poissons. C'est une énergie qui est compliquée, mes amis, le 8 de coupe. C'est-à-dire que quand on quitte le 8 de coupe, on a beaucoup travaillé sur le 8 de coupe. C'est-à-dire qu'on a un petit copain, une petite copine, des amis. On quitte une vie bien rangée, on quitte des choses pour lesquelles on a longuement duré, peut-être pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, des croyances fermement engrammées dans le cœur, dans la cervelle. Vous êtes en train de quitter tout ça. Et je vais vous dire, il y a un truc qui est dramatique dans votre reading ici, les Capricornes, c'est que vous ne pouvez faire confiance à personne. La seule chose à laquelle vous pouvez, j'allais dire, vous raccrocher, c'est votre foi. Pas la foi d'un gourou Five Star Tarot ou Sadhguru ou je ne sais quel, j'allais dire, poireau sur Internet là, qui veut vous apprendre à lire super vite pour devenir un crétin beaucoup plus rapide ou je ne sais quoi. Là. Ces gonzesses qui ont fait 150 000 euros et puis je suis OK, d'accord. Et tous leurs potes complètement débiles et ceux qui sont à Bali, tous ces crétins là, OK. Vous ne voulez pas de ça, d'accord. Vous ne voulez pas de ça, mes amis, OK. Faites attention à ce que vous écoutez, on se nourrit aussi avec ce qu'on écoute, avec ce qu'on mange, avec ce qu'on regarde, d'accord? Tous les mecs qui parlent de yo-yo, machin, faites attention à ça, mais qui viennent ghettoiser le cerveau, là. Faites attention à ça, d'accord? Ok? Donc, tout ça pour vous dire ici que l'ancien monde est mort, mes amis, ok? Et vous le savez, vous voulez vous libérer de tout, et puis pareil pour tous les abrutis, là, les machins, les yukum, les machins, bref. Donc, tout ça pour vous dire ici, les Capricornes, ok? C'est très important ce que je suis en train de vous dire ici, c'est très important. Vous ne pouvez vous fier à personne si ce n'est qu'à votre propre instinct, à votre foi, à votre savoir intérieur.
Si vous pensez que je suis un crétin, partez. Sans aucun regret, vous avez raison de le faire. Maintenant, si vous savez que ça colle avec ce que vous êtes en train de viber, donc c'est, vous êtes syntonisé, donc ok, donc vous pouvez rester ici, ok. Peu importe. On a le Seven of Swords ici dans la maison des balances. J'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui va vouloir, encore une fois, avoir raison. Mais regardez cette personne, quel état physique, émotionnel, psychologique dans lequel elle se trouve. Est-ce que cette personne est en dépendance? Est-ce que cette personne, elle est droguée? Est-ce que cette personne est obèse? Est-ce que cette personne est anorexique? Est-ce que cette personne ici, regardez son état. Est-ce que cette personne, elle vit reclue quelque part, que personne ne s'intéresse à cette personne? Regardez, je veux dire, il y a beaucoup de personnes qui prétendent ici être heureuses dans leur vie. Et il y en a qui ne prétendent pas, mais qui le sont, d'accord? Voyez où est-ce que vous vous situez par rapport à ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui pourrait vous dire, bon ben, je te laisse parce que j'ai mieux à faire. Mais en fait, cette personne, elle est misérable et pitoyable et elle ne fait qu'une seule chose, c'est que c'est vous observer et rester dans vos baskets ici. Parce qu'il y a une énergie, un peu comme un cafard qui s'accroche ici à vos sandales ici. Dans la maison des... On a le Seven of Cups, il nous le verse dans la maison des scorpions. Donc le désir, c'est ce qui va vous permettre d'étendre vos... Si vous désirez un nouveau monde, si vous désirez quelque chose, vous êtes des dieux et des déesses réincarnés sur cette terre et vous pouvez le produire, ok? Vous pouvez le produire, vous êtes extrêmement puissant. God within the body, c'est écrit dans votre génétique. Vous pouvez absolument tout réaliser. Donc vous pouvez réaliser le pire, métro, boulot, dodo, marié avec une femme, machin... Peu importe, des enfants crétins qui vont faire du polo le week-end ou j'en sais rien, peu importe, des trucs débiles qui servent à rien, hein, que je veux dire que comme être sur un speedboat polluant dans l'océan ici, des trucs qui ne servent à rien, mes amis, mais à rien. Ou alors vous pouvez tout simplement changer le monde, vous rendre compte que vous êtes des dieux et des déesses réincarnés sur cette terre ici et décider de vous affranchir de l'ancien monde ici. Si c'est ce que vous voulez, sortir de l'illusion, vous avez le chakra racine, vous avez la connaissance, vous avez les outils pour ça, ok? Dans la maison des Sagittaires, nous avons sauté de la falaise sans... J'ai jamais vu autant d'arcanes majeures, c'est incroyable. Sauter de la falaise sans parachute parce qu'il n'y a pas de sol. C'est un nouveau départ, mes amis. Vous êtes en train de le sortir. Le zéro, l'indivisible, la toute puissance ici. Le nouveau monde qui s'ouvre à vous, les Capricornes. Ok? Et vous pouvez en faire partie ici, d'accord? Peu importe ce que vous aimez faire. Faites-le, d'accord? Dans votre maison, on a le Ace of Wands in reverse. C'est-à-dire que c'est très important pour vous de quitter les choses qui ne vous conviennent pas ici. C'est-à-dire qui, entre guillemets, qui ne vont pas vous satisfaire. J'ai l'impression qu'il y a des énergies, un peu comme des énergies de sensu, en fait, des personnes qui vont vouloir, j'allais dire, rester à... Ouf, les Capricornes, on ne peut pas sauver tout le monde et on ne peut pas parler, je veux dire, on peut pas parler à des personnes qui ont la science infuse, qui voudront pas... Vous savez, pour certaines personnes, c'est trop tard ici, ok? Pour certaines personnes, c'est trop tard. Pour la majorité, c'est trop tard, mais c'est toujours une minorité qui va changer le monde ici. On a des nouvelles idées, les Capricornes. Le 15, c'est quoi? Eh ben, c'est votre énergie, les Capricornes, exactement, le diable, d'accord? L'énergie du... Enfin, c'est l'arcane 15 surtout, d'accord? Donc, c'est... Et c'est surtout... bon, bref, c'est le moment de concrétiser... C'est votre énergie. C'est le moment de concrétiser tes projets. À travers cette prière, demande à ta bougie pour aller au bout de tes idées. Au bout de tes idées. Au bout de tes idées. Qu'elles te conduisent vers ta propre inspiration et surtout que celle-ci te procure beaucoup plus de plaisir. C'est exactement ce que je viens de dire. Ah, mais Jimmy, c'est trop parfait! C'est mon job d'être parfait, mes amis, ok? Exactement. That's what's up. Donc, le King of Wands, suivez ce que vous voulez faire, suivez votre passion, suivez votre création, suivez ce que vous voulez faire. Et quittez le métro, boulot, dodo, les partis politiques, les religions, les partis, et tous ces trucs-là, la télévision, 4K, l'histoire qui est fausse, qui est enterrée. Parce que tout ce qu'on vous a appris à l'école, d'accord, tout ce qu'on met dans la tête de vos enfants, n'est juste qu'un mensonge. Parce qu'on va vous apprendre quoi? On va vous mettre dans la compétition, on va vous mettre dans des cases pour que vous deveniez des batteries pour l'intelligence artificielle. Alors vous serez peut-être astronaute et on va peut-être vous envoyer dans un tube de métal là-haut, mais vous serez toujours, c'est comme un balai mes amis, d'accord? Et vous serez encensé par d'autres enfants, pareil lobotomisés, qui vont vous voir comme un héros, mais ça s'arrêtera là, d'accord? Toutes vos stars, elles ne servent à rien mes amis. Les seules stars qui comptent, c'est l'étoile qui est à l'intérieur de vous, ok? On a de stars ici, ok? Vous êtes avec le hiérophante ici, ok? 23-23 moments, je dis ça. Et seuls vrais reconnaissent vrai. Exactement. C'est quand l'élève est pris que l'élève apparaît et inversement. Et n'importe quel crétin dans la rue peut vous dire ça. Mais ça n'aura pas la même résonance. Donc, on a l'étoile ici, énergie des Verseaux. C'est-à-dire que suivez votre instinct. Suivez votre instinct pour sortir de l'illusion ici, les Capricornes. Suivez votre instinct. Hein? Regardez, maison des Scorpions, l'instinct, ok? Le chat, et voilà, la tempérance ici. Vous ne pouvez plus...
Cette ancienne coupe, elle est finie ici. C'est une énergie d'alchimie, c'est-à-dire sauter de la falaise sans parachute parce qu'il n'y a pas de sol, mes amis. Okay, nous avons le 3 de bâton. Quand vous hésitez entre l'un et l'autre, hein, la gonzesse, ah, je préfère la grande, la petite, la brune, la blonde, la grosse, la mec, peu importe, celle qui a, peu importe. Okay, je vais vous dire un truc, les amis, c'est ni l'une ni l'autre. Pareil pour les mecs. Je choisis celui qui est gentil avec moi ou celui qui a plein de pognon. C'est ni l'un ni l'autre. Okay. Encore une fois, le 3 de bâton ici, mes amis Capricorne, c'est monter dans l'un de ces bateaux ici. Okay, retrouver une aventure ici, trouver l'image supérieure ici, c'est-à-dire retrouver son leadership, arrêter d'être un esclave, arrêter d'être un bot, arrêter d'être comme tous ces mecs là à la télévision qui viennent vous raconter tout et n'importe quelle bêtise ici, ok? Ok? Ils étaient où pendant le Covid ces personnes-là? Ben, masqués, vaccinés, piqués, en train de gueuler, en train de dire tout et n'importe quoi, ok? Et puis là, ce sont les mêmes qui vont dire Elon Musk, c'est un génie, machin, ok? Ok? Mais burn les caps, mais burn, ok? Il est temps de se réveiller ici, exactement. T'as des grosses coronesses, j'ai exactement. Là, c'est ça, ok? Bref. Pour clarifier le 3 de bâton ici, salut Jérém, ça va? Un troisième qui arrive. Ouais, ça va, j'arrive. Ah oui, bah, ah non, attends. J'arrive tout à l'heure. Oui, bah regarde si tu veux. Bref, j'ai presque terminé. Et on a, je reviens les caps, on a le, bah ouais, c'est un show, c'est clair. Donc on a le 9 de bâton ici. Donc ça vient me dire ici que vous avez beaucoup souffert les Capricornes. Encore une fois, quelqu'un qui quitte le 8 de coupe ici, il a souffert une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, dix fois, onze fois, ok? Mais il est encore debout, ok? Il a peut-être plus fringue, il est encore debout. Et c'est pas facile ce que vous êtes en train de faire, c'est pas facile les décisions que vous avez à prendre. Mais c'est ça qui va vous permettre d'arrêter de souffrir ici. Et vous avez absolument tout pour réussir. C'était la carte qui était sortie tout à l'heure. C'est-à-dire que vous avez ici la connaissance. Elle est prête pour la communication. Elle a tout ce qu'il faut. Elle a tous les moyens. Ce n'est pas une question d'argent ici. Et nous avons de High Priestess. Ne vivez pas en sacrifice. Libérez-vous ici, d'accord? C'est la divine féminine. C'est la création. C'est la libération ici. C'est le nouveau monde. Tout est là, mes amis. Ce gros message ici vient vous dire, les Capricornes, suivez votre cœur. Suivez ce qui vous passionne. C'est le moment où on liche de Kraken, en fait. On vous demande de vivre, on vous demande d'être heureux, on vous demande de faire ce que vous aimez faire, ce que vous avez à faire et d'avoir de compte à donner à personne ici. Parce que tout est un mensonge, que ce soit la gravité, que ce soit Einstein, que ce soit, peu importe, que ce soit tout ce que vous avez appris à l'école, c'est qu'une énorme, une énorme foutaise. Et c'est ce qui donne le monde aujourd'hui, un monde de lobotomisé. On vient détruire la nature, on fait n'importe quoi. Ou tous ceux qui font, j'allais dire, de la bonne énergie ou qui disent la vérité sont flingués, sont ridiculisés, sont moqués. Et tous les autres qui sont dans des religions, dans des appartenances, qui vont vous dire « Mon Dieu, c'est le plus puissant, c'est le plus beau, c'est le plus grand, c'est qui est amour, mais il est là pour massacrer tous les autres. » Il y a des centaines de guerres dans le monde, il y a la pauvreté, il y a la faim. Ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être ajusté à une société qui est profondément malade, qui est divisée entre juifs, arabes, musulmans, allemands, chrétiens, chinois, jaunes, verts, noirs, roses, de gauche, de droite, extraterrestres, intraterrestres. Terre creuse, tête plate, et tout le monde se dispute. Et au lieu de voir la vérité qui est à l'intérieur de vous, vous le savez très bien, mes amis Capricorne, ok? Vous avez des élèves dans une classe, deux ronds de la même taille. Vous avez des mecs qui rentrent en costard cravate avec des badges du gouvernement qui vont vous dire, il y a un rond qui est plus grand que l'autre, hein. Ceux qui le savent, levez la main. Ceux qui pensent que le rond est le plus grand, lèvent la main. Il y aura la moitié des élèves. Ceux qui savent que le rouge est le plus grand, l'autre moitié des élèves. Mais en fait, à la fin, ben non, les élèves savaient très bien que les deux ronds, ils étaient de la même taille. Encore une fois, ok, nous avons le Five of Swords ici. Tout le monde est contre vous, les Capricornes. Tout le monde est contre vous. Tout le monde est contre. Mais vous devez laisser tomber le passé. C'est une carte de l'alchimie pour suivre ici la nature Gaïa, princesse Mononoke ici. Encore une fois, pour obtenir quelque chose, un nouveau monde. Ok, il faut laisser l'ancien monde derrière. C'est très important. Sortir de l'insatisfaction. Retrouver votre pouvoir ici. Ok, retrouver votre pouvoir, ce que vous voulez faire. Ok, et encore une fois, la Wheel of Fortune dans le Soul ici, si vous voulez changer votre vie ici, c'est. Elle prend du temps, la Wheel of Fortune, encore une fois, ok? C'était le message de l'univers ici. Donc, on vous dit au diable le passé, au diable les fuyards, au diable les runners, au diable ceux qui vous disent oui, mais au diable ceux qui sont dans les religions, radio, fluor, 440, statut politique, juif, musulman, arabe, machin, à la télévision, homme de science et tout, machin, les politiciens, les trucs, les ceci, les cela, ok? Et faites-vous confiance, mes amis, parce que le nouveau monde arrive, les machines nous remplacent, on est devenu des batteries pour les machines ici. Et que quand on n'aura plus besoin de vous, ok, on est déjà en train de vous tuer, on est déjà en train de vous tuer, de tuer vos enfants, on est en train de vous lobotomiser, on est en train de, ok. Si vous le savez tout ça, alors certains d'entre vous vont rire, je repense, c'est la vie de mon patron maintenant, ok. Tant mieux pour toi frérot, mais le bercement de la vie, c'est ça le plus important. Avez-vous besoin de déchiffrer les notes d'une chanson pour vous laisser bercer par elle? Vous n'avez pas non plus besoin de comprendre la vie pour vous laisser porter par celle-ci, les Capricornes. Exactement. Follow the music. Les futilités. L'être humain est nu et les mains vides et c'est exactement de cette manière qu'il va quitter sa vie.
Durant le court passage sur Terre, ne l'encombrez pas avec des futilités, mais permettez-lui de voyager avec légèreté. Si vous me demandez, Jay, c'est quoi le plus beau moment de ta vie? Ah, c'est le moment où, j'en sais rien, j'ai vécu ça, où j'ai rencontré ta mère, où j'ai rencontré ton père, où j'ai fait ceci, ou machin, où je l'ai... Non, le meilleur moment de ma vie, c'est maintenant, c'est quand je suis avec vous, parce que demain est incertain, mes amis, ok? Et c'est maintenant. La vie hautement généreuse. La vie, c'est pas le chien le meilleur ami de l'homme, ok? Le meilleur ami de l'homme, c'est la vie. La vie est hautement généreuse. Si vous refoulez une émotion aujourd'hui, ce que vous êtes en train de faire en ce moment, les Capricornes, alors elle reviendra à vous demain avec plus d'intensité. Donc, mes amis, à vous de voir ici, mes amis. OK? Ça m'a fait extrêmement plaisir de faire cette guidance, les Capricornes. À plus sur 5 Star Tarot. Namasté. Yeah.